Hey, salut et bienvenue dans ce live. Alors, je sais pas si vous allez les entendre, mais il y a déjà des gens avec moi. Non, on vous entend pas, donc faut que je passe par une autre source, une autre source son. Alors, tac 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 tac. C'est laquelle que j'avais utilisée? Celle-là. Et ben, on va utiliser. Je vais réactiver le. Mon bureau, ça va m'embêter. Hop, et donc. Moi, pas encore. Vu que je viens de lancer mon live, pas encore. Et donc, il y a Blurry qui vous dit coucou dans mon chat. Alors, je pense que vous avez entendu. Si quelqu'un peut parler, puisque je fais les réglages en même temps. Mais c'est quoi ce bordel? On vous entend pas. Mais non, j'ai muté personne! J'essaye de comprendre! Il veut pas vous prendre. Parce qu'il y a une nouvelle. Ça changera pas si je passe par l'image, si je passe sur la fenêtre du jeu. C'est juste ici, il faut que je trouve. Après, si ça embête personne, ouais, on peut passer par Discord. Bon, bah voilà, comme ça c'est réglé. Comment je. Alors. Option du groupe audio entrée sortie, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, tac, ici, si je monte là, ça va rien changer. Si vous parlez, on ne vous entendra pas plus. Non, ça bouge toujours pas. Alors, est-ce que ici j'ai une information supplémentaire? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de session ensemble. Ouais, bah normalement je devrais trouver la Xbox Game Bar. Est-ce qu'elle est listée dans le truc? Dans les options de Windows? Si j'ajoutais une source directement. Alors, capture audio d'application. Tac. Est-ce que. Hop, du même exécutable. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est passée où? Elle est là, elle est là. Est-ce que quelqu'un peut parler? Et mais ça me turlupine. Je vais pas y arriver à vous avoir. Alors, en ayant activé le son du bureau, il vous capte pas non plus. Ah, peut-être. Et là, est-ce que quelqu'un peut parler? Oh putain, je vais péter un câble. Hein. Ah, il capte quelque chose là. Je vais mettre la musique en pause pour voir. Ouais, c'est bon, on vous a. Je vais passer sur la fenêtre de jeu. Et je vais. Et c'est. Oui, il a relancé la musique, ce gland. Et je vais. Ok, vous devriez avoir l'image qui devrait arriver sous peu. Voilà, le son sur le jeu, vous ne l'aurez pas tout de suite. Et il faut que j'active tac tac ceci et que je l'étende.
Voilà, comme ça vous verrez qui parle. Je sais pas non plus, il a pas décidé de lancer un live. Oui. Reviens sur la bonne fenêtre. Non, mais j'ai mon galion si jamais. Hein. J'ai pas compris ce que le jeu m'a fait. Pour une fois, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend ou je lance mon galion? Alors, mes navires. Tac. C'est bien un galion celui-là. Il a lancé. Bah, on va le rejoindre. Oui. On va se retrouver dans le petit Grégory. Pardon. Une extinction de micro. Peut-être baisser un peu mon micro parce qu'on m'a en retour chez Miss Titi. Non, non, c'est juste moi, je suis en retour sur ton micro, je le vois. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ah, d'accord. D'accord, ok, bah c'est mieux alors. Y a pas de souci, y a pas de souci. C'est le live, c'est les lives. Déclaré, j'arrive. Ok, il arrive. Bah, oui. C'est un bon début. Alors, j'ai pas beaucoup préparé cette aventure-là. Hein. Ouais. Un petit peu beaucoup. Ah, mais entre les lives et les sessions Arc RP, là, ça fait une semaine, j'ai pas pu m'en occuper du tout. J'ai juste préparé la map interactive pour savoir à peu près où faut aller. Voilà. On va encore s'amuser à naviguer beaucoup. Ouais, c'est l'aventure numéro 12. On a cherché un masque de je sais plus qui, parce qu'il y en a une qui a la malédiction du squelette. C'est tout ce que je me souviens. Ouais, voilà. Ouais. Ah, ça y est, j'arrive. Y a Monsieur Padon qui est là.
Hop, je m'assois. Allons. Je m'assois avec pas d'eau. Il y a Kili qui est déjà au navire. Ah non? Coucou, alors là nous avons Miss Titi, là vous avez ce cher Padon et Kili qui se balade dehors. On va aller voir le capitaine Kili. Il est là le capitaine Kili. Tout en beauté de flamme. Ah, tu faisais ta danse nulle. Bon, on est content de toute façon, hein. On a notre capitaine avec nous. Alors, je vais aller faire un tour à l'Emporium, voir s'il y a eu des nouveautés. Il est où ici? Je crois qu'il faut voir les trucs dans le bateau. Alors. Ah putain, j'ai plus l'habitude. Alors, qu'est-ce que tu as en stock, mon coco? Capitainerie. Ok. Pirate. Percussion de seau. Donc, c'est une emote qui est gratuite. Et on fait du tambour avec le seau. Oui. Ça se voit. Voilà, alors à part des skins. Alors, c'est l'un des seuls avantages, c'est que les trucs payants dans le jeu, c'est que du skin. T'as pas d'avantage à acheter un truc. Alors, c'est chez là. On va équiper un petit peu le bateau. Personnalisation du navire, si je peux. Les voiles, parce que j'en ai eu des nouvelles qui devraient plaire à ce cher Kili. Voilà. Ah oui, elles sont bien vertes, oui. On va mettre la coque spéciale Xbox, noire et verte. Hop, on met ça au niveau des canons. On va mettre ça en obsidienne. Ah ouais! Et j'ai plein de drapeaux. Je sais même pas comment je les ai eus. Et bonjour, Padon! Et bon, on va mettre ce drapeau-ci. Et voilà. Et ben ça va, et toi? oui. Et nous voici sur le petit Grégory. Ah, et moi je me trompe. Putain. Mais j'en ai marre. Je fais tellement de arcs en ce moment que j'appuie sur E au lieu d'appuyer sur F. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai des nouveautés, moi, en skin d'armes? Parce que ça fait un moment que j'ai pas joué non plus. Et avec tous les drops qu'il y a eu. J'ai celui-là. Ah, celui-là, ouais. Ah, il est moche. Là. du coup. Pour l'instant, je reste avec ces armes-là. Et en tenue, est-ce que j'avais des trucs en plus? Comme je le dis à chaque fois, avec tous les drops qu'ils font, on est
perdu. Oh, la boussole de Ruby de Van Blest, tiens, elle est jolie. La canne, je garde celle en obsidienne. Ici. Et vous avez un petit Pokémon à capturer dans mon chat. Voilà. Ça va, ça va. Oh, la chope-noix de coco. Bon, ça va. Aïe. Zizimode, j'en ai une chier. Chez l'équipe ouf. Voilà. Coffre à vêtements. Qu'est-ce que j'ai débloqué moi depuis? Aucune tenue intéressante à mettre. Et il reste quelqu'un à sortir. Le Patamino. Ah, je peux le renommer. Si quelqu'un a une idée pour le nom, pour me renommer mon chat. Alors toi. Arrête, dans Sea of Thieves, ma mantis, je l'ai appelée Diabolomante. Petit jeu de mots. Ah, Blurry demande moustache. Ouais. Comme un certain audio. Non, mais le boulet, c'est moi. Et je l'entends ronronner d'ici. Bon, faudra, je pense, je crois qu'il faut aller voir Larina, comme d'habitude. Comme tout le monde sort après. Mais il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des... Ah, il n'y a aucun Reaper sur le serveur, tiens. Bah, je vais vous avouer que je crois que Sea of Thieves, rare, et commence vraiment à le faire battre de l'aile parce que même des streamers partenaires ne le stream plus. Ouais, mais quand tu concentres
Quand tu concentres tout en full PVP, même ceux qui aiment le PVP, au bout d'un moment, ça les lasse. En fait, le problème, c'est que tu as des joueurs PVE qui ne viennent plus, donc ils ne farment plus les coffres et tout ça. Ah, c'était de l'ironie. Ah, pas de soucis. Un peu. Ah, abruti, je vais vomir. Ah, je mange une larve, moi. Alors, non, je crois pas que ça a changé. Ça va bien se passer, t'inquiète. Moi, je suis pas loin. Oui. Oui, et du coup, tu vas voir qui c'est. Nous, on n'est pas loin de l'arena. D'ailleurs, je demande à ce qu'il y ait des choses à lire. Alors, une petite demande de Blu-ray, s'il y a des trucs à lire, c'est Miss Titi qui les lira. Apparemment, elle aime t'entendre lire. Oh. Alors, ouvrir la caisse. Attends, faut que je me rappelle des touches également. Ouais, vas-y. All I should say in the open is that someone is waiting to speak with you. All the rest is in this note. Read it as soon as you can. Nous discrets, je suis pas sûr. Pas sûr que nous demander d'être discrets, c'est une chose qu'on arrivera à faire.
Bah, c'est pas grave, ça fait plus de boulets au cas où. Voilà. Alors, en N13, elle a dit, c'est ça? Ah, même les voiles. Eh, en l'honneur du capitaine. Le petit Grégory. J'ai déjà marqué N13. C'est un peu au sud de notre position. Sud. Alors, je vais prendre un là et un là. Et vous allez avoir un peu de gameplay pêche le temps de la navigation. Alors, tac, 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 tac. Alors, je ne sais pas, je sais, j'ai appris que récemment, il avait réduit son pop. En fait, il apparaissait beaucoup moins. Et certains ont pensé que c'était pour mettre quelque chose de pire. Alors, ah. Pose le chat. Il veut pas poser le chat. Voilà. Il faut aller vers le sud. Oui. Oui. Alors, vers le sud, mon capitaine. Allez. Hop, on va pêcher. Tournez les voiles. Parce qu'il t'aime pas. Touc. Alors, c'est comment déjà? Ah oui, appât. Et ici, c'est quoi qu'il faut utiliser? Alors, moi aussi, il va falloir que je me rappelle comment on pêche.
Elle est morte. Nos invitations. Découverte totale, j'ai juste regardé sur une map interactive où étaient les îles. Mais si, mais si. Mais si, mais si. Je reprenne des vers de terre. J'en ai pris deux. Vers de la terre. Ah mince, rate. Mais pourquoi tu t'es assis? Un petit peu plus vers l'est, Kili. Voilà, là ça devrait être bon, Kiwi. On devrait pas. Ah oui, il y a un rocher. Oh là là, la ref. Notre capitaine nous revient en forme. Oui, alors, quand moi je l'ai vu, j'ai pensé à un totem de DBD. On met. Je suis là. On a perdu quelqu'un.
C'est fait. Ah. Ah, je l'ai raté celui-là. Ou bien le... Yeah. J'avoue que c'est très joli par là. Déjà? Alors moi je les vois pas du tout. Ah, si j'en vois une. Ça y est, ils sont partis. Miss Titi, elle arrive. Ouais. On y va. Vous êtes prêts? C'est un état de fait intolérable. Des voix vont tomber. Enfin, des têtes vont tomber, mais d'abord, que faire? J'ai reçu votre note, je suis là pour vous aider. The unthinkable has happened. I, the great and powerful pirate lord, have been robbed. My finest treasures plundered by a pack of mutinous scourge. As you may know, le con qui tire. Many of my most prized possessions are hidden safely in the Athena's On a le cul. But that is not my only hiding place. Far from it. Unfortunately, some blackguards uncovered my secrets here and have taken a very dangerous object. If it is not returned to me, the consequences could be disastrous. That is why I now entreat you with this most prestigious quest. You must forge an enchanted compass that will lead you to my prize. The Order of Souls will assist you, perhaps not readily, but I shall grant you a note of permission signed by my own hand. That should convince those witches to play along, eh? Et après, c'est les chats que vous critiquez, hein. Will help you on your way. Now leave me. Ah bah on avait tous le cul dans l'eau. Yeah, vous avez reçu les ordres et la note d'autorisation. Oui. Il y a d'autres pages.
Non, ici, il n'y a rien. Non, il n'y a que... Il n'y a que lui à voir. La map interactive. Oh putain. L'île la plus proche. Tu me dis quand je peux ouvrir les voiles. Je vais prendre quelques boules avec moi au cas où. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. Hop là. Même si je suis moi-même un boulet. Excusez-moi. Merci, Blurry. Merci. Non. Je vais pêcher de la queue éclaboussante. Juste pour embêter Miss Titi. Un tonneau. Oui, je remarque, oui. Ouais. Fatigue-toi, voilà.
Un petit truc à picot. Ah, il y a des squelettes sur l'île. Et on se fait tirer dessus par des squelettes. Eh, les squelettes, ils visent vraiment mal, hein. Une petite queue éclaboussante, ensoleillée, trophée. Ils vont arrêter d'essayer de percer des trous dans notre bâtiment, les squelettes. Les poissons. Je fais du tambour avec un crochet. Pas touche le chat. Je suis là, Kim. Alors, voilà. Ben, ils ont rajouté un pêcheur. T'es loin derrière.
J'ai même pas le nom du poisson. Oh, sûrement. Allez, mais fatigue-toi. Je mets 1000 ans à le pêcher, lui. Ah normal que éclaboussante rubis trophée. Hop, je prends le petit truc à vendre. Et j'arrive. Alors lui, j'ai pas suivi à qui. Ok. Ok. Alors on va attendre que tout le monde soit là, parce que si elle nous dit quelque chose, autant que tout le monde soit là. On attend Monsieur Kelly, il est où? Il est là, le capitaine. Alors, est-ce qu'elle nous dit quelque chose? Je suis Madame Olivia, l'Ordre des âmes. Je vous souhaite la bienvenue afin du mieux que je peux. Cette montre à gousset, je peux l'emprunter? Certainement pas, ça m'a été donné en cadeau par le capitaine Pendragon, le champion des âmes lui-même.
Avec la lamentable victoire de Flymart et l'exil ultérieur de Pendragon, c'est tout ce qui me reste pour me souvenir de lui. Si vous cherchez vraiment une montre pour quelque raison que ce soit, je suis certaine que Travis en a plusieurs à vendre. Je ne céderai pas la mienne, quelles que soient les circonstances. Enfin, y a-t-il un autre moyen pour lequel je puisse vous aider? Bon, on va aller à la fameuse porte. Alors, la fameuse porte fermée, c'est celle-ci. Tous les membres doivent être là. Ouais. Oh, je pense que ça va le donner tout seul. Il est là, il est là. Ça aurait été marrant que le chat il lui court après. Dans le bateau. Tout sur le petit Grégory. Île suivante, c'est Chipyark B, je crois. Où va falloir faire du jeu avec les canons. Et on aura un truc à trouver de l'autre côté de Shipwreck Bay. On verra des licornes à la fin. Bah non, on peut faire confiance au capitaine.
peu plus de voile pour le capitaine. Ah, là, j'ai tellement l'habitude de faire E comme sur arc que je le fais ici aussi. Alors que c'est F. Ouais. Les petits poissons dans l'eau. Par curiosité, journal pirate, mes succès. Au niveau de des pêcheurs. J'ai encore quelques queues éclaboussantes à vendre. Hein. ouais, je crois que maintenant on peut leur en vendre. Il y a du brouillard.
Faut aller à Shipyard Bay, c'est si je me trompe pas. Ouais. Ah non, ça c'était pour le point de départ. Tu peux l'effacer le rond comme ça et... Ouais, c'était le point de départ. On va aller cuire du poisson. Ouais, t'es souhait. Allez, cuis-toi! Ah, il y a de la houle, il y a de la houle. Il n'y a plus de vent, mais il y a de la houle. IAM cuisine. Non, faut continuer d'avancer encore. Non, t'inquiète. Fais le tour de l'île. Faut que tu fasses le tour de l'île. Parce qu'on va avoir besoin d'utiliser le canon. Et ouais. Ouais, faut vraiment que tu fasses le tour de l'île. Ah bon? Ouais, je l'ai encore, ouais. Ouais. Ouais, je te dis, continue de faire le tour. Apparemment, tu peux cacher des trucs maintenant. Et moi, j'ai pas de soucis, pardon. Je peux toujours le tourner. J'ai vu, moi, quelques. J'ai vu un endroit. Continue de tourner. Redresse.
Et c'est là. Ouais. Quelqu'un monte dans le canon? Alors. Est-ce que c'est bon? Non. Suivant. Un peu trop au Kili. Je viens de voir une fusée qui l'y passait. Ah non, non, il est passé à côté de moi. On y va, vas-y. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que on doit... C'est bon, j'ai le fragment. Je suis en train d'en prendre un fragment. J'ai pris le fragment. Alors, on... Oh là! Bah, ouais, faut peut-être essayer, ouais. Salut Sauve, comment tu vas? Alors, il y a un truc à récupérer. Squelette à la noix. Ah, il y a un coffre ici. Examiner de plus près. Ici, il est parti où? Ah, t'as vu un rat? Il faut essayer de le suivre. Et alors attends, t'étais où? Miss Titi, t'étais en haut? Ouais, donc il... parce que je l'ai vu aussi, puis à un moment je l'ai perdu de vue. Faudrait que vous montiez en haut tous les deux. Et je pense que nous, on ne le verra pas, le...
Ici, là. Il y a un rat là-bas. Mais je... Après, je sais pas si... Alors, je vais regarder. Ça va? Ouais, bah moi ça va. Il faudrait peut-être que je joue avec toi prochainement, car tout seul, ça me dit rien. Bah, Sea of Thieves solo, c'est compliqué. Maintenant, c'est une galère. J'ai un chien, il s'appelle Balboa. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, en fait, ils disent juste qu'il faut interagir avec. C'est tout. Ouais. Non, bah, y a besoin de rien faire de plus. Juste interagir. Tu l'as vu partir dans les bois là-bas? Ah oui. Oui, non, bah oui, je pense qu'il n'y a rien de plus à faire. Je vais manger un chouï quand même. Hop, on peut retourner au bâtal. Ah, il y a un trésor là-bas. Sur l'île là-bas, la petite île en face, j'ai vu un truc briller. Oh, il y a des choses ici, il y a des choses. Ah, mais... C'est moi qui avais pris le coffre. Ah, c'est une quête, on laisse tomber et il y a une caisse de stockage que je vais emmener. Enfin, je vais essayer de la grappiner. La caisse de boulet. Nous ne sommes que 6, ça va pas. Ah oui, c'est vrai que 6 boulets. C'est pour ça qu'on essaye d'en récupérer plus. Parce que 6 boulets, on fait pas grand chose avec. Bon, pour le moment, en plus, on n'a pas croisé de joueurs, donc ça va. Ah ouais, je l'ai vu. Trop. C'est une quête. Oui, bah j'avais compris que tu parlais de nous, hein, Sauve, hein, et puis eux aussi, je pense. Hein. C'est un de mes viewers, donc un boulet. C'est ce que j'essayais de faire. Oui, non, mais c'est ta femme, je te la laisse. Hein. Sinon, Blue elle va pas être d'accord. Voilà. Ça marche aussi, ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit sur le bouquin? C'est nouveau.
Ouais, c'est à Sanctuary qu'il faut aller. Ah, moi j'ai rien entouré à part le truc du centre. Il faut aller à Sanctuary. Direction nord-ouest. Et moi, je reprends la pêche. J'en ai pas assez, je dois encore en vendre. Le pire, c'est que c'est vrai. Ah, un écumeur des îles de pierre. C'est pas une queue éclaboussante. Toi, ton perroquet va finir dans un canon aussi. Petit perroquet, viens ici. Le chat a été une fois dans un canon. Ah bah il a volé. Il a appris à voler. Je sais même pas où il est moi-même. Il fait sa vie. Et le truc, c'est que je l'entends ronronner là. J'ai paumé mon chat. Ah, elle a trouvé le chat. Oui, non, mais elle parle franglish, oui, voilà. Ouais, laissez mon petit chat tranquille. Regarde-moi ça. Il torture cette brave bête.
Regarde-moi ça, comment il torture cette pauvre petite animal. Regarde-moi comment il est gentil. Oh, il est mignon. Non, non, je ne confonds pas, je ne confonds pas. Est-ce que je vais avoir une clé éclaboussante juste pour emmerder Miss Titi? Oui, c'est mes crayons, mais elle est. Oui, si je l'ai, celle-là, elle est permanente. Ah, une queue éclaboussante mousseuse. Est-ce qu'il en a après nous ou est-ce qu'il en a rien à foutre? Sauf qu'on va lui rentrer dedans et là ça va pas le faire. Ça va, il esquive. J'ai vu un squelette qui m'a tiré dessus. Moi non plus. Alors, je vais voir ce qu'on a d'autre comme boulet. Je vais en prendre des comme ça. On va prendre celui-là aussi et on va tenter. Et je les vois pas apparaître dans mon truc. Tac tac tac. Il va passer de l'autre côté. Ah mais on peut pas les shooter là.
eux ils touchent. Ah. Oui, une île. Oula! Ils ont tenté le boulet spéciaux. Spécial. Et ça va marcher celui-là. Bon, va y avoir du loot. Non, il n'est pas encore en train de couler. Non. J'avais pris des boulets, j'en avais pris qu'un.
Oh, c'est passé à côté. Oh, il est Sharky! Mais c'est pas possible! Oh, l'enfer! Et le Sharky, il est parti. Il est là. C'était des munitions. T'as l'air d'avoir un peu de mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. À part les bourses, tout est mis automatiquement sur le navire. Ouais. Oh, il y a eu un petit peu de fight, hein, de la fight PVE. Qu'est-ce qu'il y a, Kili? Ah, j'ai cru t'entendre dire oh oh. Ah, du requin. Il y a un petit bout de requin là-bas, je crois.
Il restait un bout de viande de requin. Il y a du monde. Cuisson de requin. Bon, il y aurait un petit peu de PVE. Un petit peu de fight PVE. Si, il y en a eu un, il est là, je crois. C'est un coffre d'aventurier. Pas touche le chat. Ah. Plus rapide. Ah bah. N'hésitez pas à capturer un Pokémon. Pas touche le chat. Mon chat, c'est pas un Pokémon. Non, ce n'est pas un Pokémon. Je le vois même pas. Non, bah, il n'a pas bougé de là où je l'ai mis. Viens là. Oui. Un souci.
Là, je suis en train de cuire la viande. Il ne m'affiche pas qu'elle est cuite parfaitement. Là. Bon. On va aller voir Madame Olivia. Il aurait peut-être mieux valu se mettre au niveau des barons. Il y a des crânes que tu ne peux pas vendre à l'ordre des âmes. Allez. Non, celui que j'ai vendu, c'était un blanc et rouge. Il est déjà vendu, il est déjà vendu. À l'arina. Ouais. Il me reste un coffre. Bah, je suis complètement teubé, moi. Je vais vendre le coffre à... Ah, mais je le sais que je suis teubé. C'est Blurry qu'il faut convaincre. Arc B, c'est fait et on est donc à Sanctuary là, c'est ça? Ouais, et il y aura un rat à trouver. Et je sais où il est. On peut suivre tranquillement Rémi. Il fait quoi, pas donc? Oui. Oh, les petits renards. Ils sont à combien, les renards? Fais-moi voir les familles renards. Oui. 500 pièces anciennes. Et fière d'être aveugle, alors. Réponse de Blurry à Miss Titi, elle est fière d'être aveugle, alors. Ouais, mais on le sait que c'était pas méchant. Mister Kelly, il est proche. Allez. Alors, je déteste m'imposer, mais je sens que certains parmi vous sont absents. S'il vous plaît, allez rassembler votre équipage. Oh. Il est là, il est là. Je te laisse l'honneur de la lecture, Miss Titi. Blurry voulait que ce soit toi. What? I mean, I suppose I could.
Madame Olivia has been teaching me, but we're really not supposed to. Then again, she wouldn't have given you her pocket watch for no reason. And if the Pirate Lord is involved. All right, I'll perform the ritual. But these are strange materials you have brought to me. I must confess, I'm not entirely certain where the compass may lead you. By Recall's light, and Wisdom's might, the past shall point towards the future. It worked. Here you are. I hope you find what you're looking for. Whatever it is. Elle me fait délirer cette emote. Ouais. Alors, la petite souris, Rémi. Tu vas où? Le Ratus a disparu dans la terre. Ouais, moi je l'ai activé. Ouais, non, je pense que ouais, je pense que c'est juste ça en fait. Hein. Il faut juste les activer. Journal d'abord, aventure, tâche. Elle va nous faire la lecture. Suivez les boussoles. Oui, juste suivez la boussole pour trouver le trésor. Et la boussole indique bah faut l'activer. Alors je sais pas pourquoi faut faire ça, mais moi je le fais. Hein. Tout droit. En évitant les cailloux. Ah.
Oh, c'est nickel ça. On va pêcher de la queue éclaboussante. Éclaboussante de rubis. Un problème, pardon, tu peux récupérer le poisson? J'arrive pas à le récupérer. Ah non, non, j'ai rien. J'ai absolument pas de nourriture. Merci, pardon. Bon, bah, on va nager, hein. Un petit feu d'artifice. Un requin. Deux requins. Oh, il y a beaucoup de requins. C'est pas grave, c'est pas grave.
Le bateau, il va cramer. Le requin, surtout, il va cramer. J'ai jamais vu ça, moi. Oh, des violets. J'ai la flamme violette. Il veut pas que je le prenne. Ah oui, bah là j'ai forcément. Alors, on va colorer un petit peu le bateau. Hop. Hop. Le seul qui dit rien. Je me fais body block par des requins. Si t'as essayé de me manger, de me mordre, c'est raté. Ah oui, c'est même, je pense, un poil trop, non? Ah non, ça va. Ça là, allez hop. Ah oui. Ah c'est là. Ah c'est. Non.
Te plains pas, je lance pas de boule incendiaire. j'ai ça. Tac. Je vais descendre. On descend ça. Peut-être qu'on rembourse un petit peu. Je sais pas. Comme c'est joli. C'est joli quand c'est tout en bleu. Ouais, faut partir, je pense, derrière. D'accord. On peut se diriger vers derrière Port Merrick. Oh. Il est précieux, il est précieux. J'ai même pas regardé ce qu'on récupère avec l'aventure, tu vois. Ça, il le montre pas. Ah si. Voilà, ouais. Ok. Et donc vous allez découvrir Port Merrick. Non, j'ai juste suivi un peu les actualités.
C'est anciennement Golden Sand. Et ils l'ont renommé Port Merrick en hommage à Merrick. Journal de bord. C'est un journal de bord d'un navire. Faudra, si on veut le vendre, faudra le vendre à Reaper, ouais. Alors, 72 jours en mer, et ben quand même. Le pourri sointant. Ah oui. 2 jours en mer. Je vais le mettre sur le navire. Ah, c'est un galion. Hein. Après, si tu veux qu'il aille plus vite, sors les rames, mais je suis pas sûr du résultat. Alors. Ok. Suivons la boussole. Bon, le rat est ici. Ah, moi, je suis en train de chercher le... de suivre la boussole. Ah non, t'inquiète, je suis même pas encore... Oui, tu vas en baron. Et... mais putain, mais c'est où? Mais la boussole, elle est pétée. Mais la boussole, elle est pétée. Ils disent quoi dans l'aventure?
trouver le trésor volé. Ouais. Suivez la boussole enchantée pour savoir où se trouve l'objet que vous cherchez. Ouais. Donc, mange en plus, toi. Ça, c'est là. Hein. What? J'ai une image, mais je suis pas sûr de... Oh putain, c'est sur cette île, ouais, je viens de le trouver, putain, mais il faut vraiment le savoir. Hein. Ouais, non, t'inquiète, je l'ai trouvé, maintenant on va attendre les deux, on va attendre qu'il y ait pas d'eau. Monsieur le rat est ici, sinon. Peut-être le faire avant de... On est à côté de Monsieur Ratus. Fais-le maintenant, comme ça, si c'est par rapport à la quête, t'es sûr de l'avoir fait. Et après, Ouais, je crois que tout le monde l'a fait. Killy, tu l'as fait? On attend Miss Titi. Ah ouais, ouais. On attend Miss Titi qu'elle puisse tout voir. C'est bon, tout le monde il est là. Hop. Ah, suivons le Ratus. Ah. Ah non, le Ratus il a ouvert. Il a ouvert un truc. Ah! Examiner l'artefact. Examiner l'artefact. On n'attend pas d'eau. Je vais attendre pas long, et puis on va attendre que tu aies regardé la fameuse photo. Miss. Ouais, il y en a. J'en ai un là. Il y en a là. On va examiner tous les artefacts avant. Non, non, examinons tous les artefacts avant. Il y a plein d'autres trucs à examiner aussi derrière. Alors, les reliques sombres placées sur cette table étaient autrefois utilisées pour invoquer le Shrouded Ghost. Ouais. Ça, ah oui, c'est la table du Shrouded Ghost. Utilisées correctement, ces fusées d'invocation peuvent faire surgir les mégalodons des profondeurs. Ok. Croquis découvert par Bell détaillant le rituel pour ressusciter le capitaine Flymert. Les pièces d'argent prises dans l'arène des Sea Dogs sont devenues une sorte de carte de visite pour les CD. Un coffre de faucheuse, il y a bien longtemps qu'il a été vidé de son contenu. Une pile de livres et de journaux rassemblés à travers les mers de Sea of Thieves pour les mettre en sécurité.
Moi, je crois qu'il me reste plus que l'épée à vérifier. Cette épée ressemble à l'épée des âmes de Pendragon, mais elle a quelque chose de troublant. Et après, faudra parler au gars. Aventure. Ouais, bah, je pense que c'est en lui parlant à lui. Je pense que c'est en lui parlant à lui. Non, d'abord, il faut parler, à mon avis, au monsieur qui est là. On attend. C'est bon. Alors, donc, caché sous le port mérique depuis le début, comme c'est impressionnant et sournois. Bah, il nous dit terminer l'aventure. On va voir. This is the treasury of the most dangerous weapons ever forged on the Sea of Thieves. And this is just what I've been searching for. What have you done? I think that's my cue to leave. I hope you enjoy clearing up the mess we've made. I'm sorry to say you've made a grave mistake today. But what's done is done. Whoever that imposter was, it's clear they've amassed quite a bit of knowledge. Enough to pull the wool over your eyes and to seek the Sword of Souls. Pendragon's blade has been corrupted by Flameheart's essence and become a grave threat indeed. Let me see that compass of yours. The dial is at rest. That means the sword has traveled a great distance, perhaps even beyond the Sea of Thieves itself. I wonder. Well, I'll return this to Madame Olivia while there's still time to undo the enchantment. If I were you, I'd tread lightly in her presence for a while. Courage and curiosity are fine qualities in a pirate. But there are those who will use them against you, as they did today. I hope that in the future, you will be more cautious before choosing to trust your senses. On the Sea of Thieves, all is not always as it seems. Aventure terminée, donc je vais aller voir si il nous manquait pas un truc, mais je pense pas du coup. Tâche. Non, c'est bon, on a tout fini. Bah, ça a été beaucoup plus rapide que je le pensais sur celle-là, tiens. Il va falloir aller vendre les poissons maintenant. Oh, la douce petite musique. Attends, elle est où? Je sais qu'il y a une statue de Mérite qui traîne quelque part. Où est-ce qu'ils l'ont foutu? Non. Ils ont vraiment fait un port, hein, ici. Il y en a un qui est sorti des fougères. Ah, la statue de Méric. Et range ton truc, quoi. Ici se tient Méric qui s'est battu vaillamment pour sauver Golden Sand Outpost de la ruine.
Port Merrick a été construit pour honorer sa mémoire et les pirates qui se sont joints à sa lutte. Oh, bah ça fait un succès, tiens. Tu l'as lu? Moi, j'ai eu un succès. Bon. Direction la vente à poissons. Ah ouais, ils ont vraiment fait un port. Ce que j'aimerais, tu vois, c'est qu'ils mettent ça en safe zone. Et s'ils le mettent en safe zone, au moins on est tranquille. J'ai l'impression, ouais. Ah non, pas là. Bon, je garde pas le coffre. Crâne, impossible de livrer ceci, apporter le bulletin à un avant-poste. Ok, il y a un crâne qu'il faut apporter à un avant-poste. Non, c'est un port. Ouais, ils me disent crâne recherché abject, impossible à livrer ici, apporter le butin à un avant-poste. Attends, je suis. Ah, mais je suis chez les marchands là. Je croyais que c'était les barons avec leurs conches. Elle est là. Ici. Oh, mais c'est joli ce qu'ils ont fait pour l'ordre des âmes. Voilà. Ah, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait pour l'ordre des âmes. Oh, des cartes. Ah. Encore du requin cuir. Pavillon du chercheur d'or pour le navire. Titre de navire débloqué, chercheur d'or. Ah bon. D'ailleurs, d'ailleurs, étant donné que le système de sauvegarde du navire est buggé, c'est-à-dire que tu payes, mais t'es pas sûr que ça va être sauvegardé, bah ils ont décidé de le rendre gratos. Avant c'était 5000 pièces, mais t'étais pas sûr que ton navire allait être sauvegardé. Oui, les pièces d'or, oui. Oui. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Tu farmes l'or, tu l'utilises pour sauvegarder un navire qui sauvegarde pas.
Où ça? Ah, c'est un coffre... c'est une prime. Autant dire que si tu prends ça, tout le monde sait où t'es. Hein. Si tu te souviens. Surtout que maintenant, le truc là, jaune, que tu vois, il reste tout le temps. Bah, pour moi, je dirais let's go. Let's go à la poissonnerie. Ah, il fait le tour. Pourtant, hein, t'aimes pas les chats. Oh, je l'aime beaucoup, votre voisine. Je la connais pas, mais je l'aime beaucoup. Moi, je vais avoir un chat dans Ark. Je vais avoir des chats partout. Je commence à mettre les poissons dans une caisse de stockage. Non, 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 on a tout fait. C'est la nuit dans Sea of Thieves. Coucou Loctaria, comment tu vas? Écoute, tout va bien, tout va bien. On termine notre aventure sur Sea of Thieves. Ah, ça va. Le déménagement, il s'est bien passé. J'en connais une qui prépare un feu d'artifice. Vas-y. Je suis sur le pont. Oh, jolie la licorne. Voyage inaugural, richesse de... Ça peut être intéressant, tu vois. Oh, Cobra. Je suis à l'ancre.
C'est fait. Elle est belle celle-là. Il t'est arrivé quoi? Oh non, il y en a partout. Récif corallien. Oh! Oh. Ah oui, il y en a un qui lance les fusées de détresse. Alors, normalement, ils sont... tout ça dedans. Ouais. Voilà. Hop. Hop. Je vais vendre les poissons. Ouais.
Alors, les plus 68, c'est le requin. Hein. Les plus 68, je signale que c'est le requin. Hein. Est-ce que je peux lui vendre ça? Non, tu veux pas? Hey. On veut me suicider. Oui, c'est pas moi qui le rappellerai. C'est qui lit, hein? Là, tu diras merci au cul éclaboussante. J'ai rien fait, je suis pas encore revenu. Tu m'en as lancé une. Moi, c'est Killy, je me suis vengé. Je me suis vengé. Ah, mais je t'ai pas visé, toi. Hein. J'ai rien invoqué, moi. Alors, ma chopine. Oui. Votre bonne santé. Yep. C'est l'heure de la picole. À la bonne voûte. Yeah. La vôtre.
T'as canonné mon chat. Je visais Killy, c'est pas de ma faute si je suis meurtri. Hey, je suis encore armé, hein. Madame, je suis équipé. Ah ben je sais. Bon bah c'était bien fun, c'était bien sympa. Ouais. Oui, aussi. PVP. Ouais. Bah ça se voit. Hein. Ils axent beaucoup sur le PVP, mais bah il faut pas oublier que ce jeu a besoin autant de PVP que de PVE, quoi. Ouais. Ouais, mais bon. Bah, disons que Rare, ils aiment pas quand il y a un serveur avec tous les navires qui sont en alliance. Et après, quand tu regardes, c'est le contenu qu'ils mettent, ils l'orientent énormément PVP. Ils ont rajouté tout un truc spécialement pour le PVP, mais je remarque que le streamer que je regardais, qui jouait pratiquement que Sea of Thieves, il était partenaire, ça fait plusieurs mois qu'il y touche plus. Hein. Ouais. Ouais. C'est triste parce que le jeu a beaucoup de potentiel. Hein. Mais il faudrait qu'ils arrivent à le. Bah ouais, ils l'équilibrent pas en fait. Hein. Ouais,
De toute façon, moi, il y a un truc, c'est dès que Skull and Bones va sortir, ils vont perdre pratiquement toute la communauté PvE du jeu. Hein. Ouais. Non, 2024. Début 2024, ouais. Mirage, ouais, c'est... Bah en fait, c'est ça le problème. Ils ont sur celui-là, ils ont repris un peu ce qu'ils faisaient avant. Mais bah écoute, de ce que alors moi j'ai pas totalement regardé hein, mais de ce qu'ils avaient dit, avec celui-là, ils revenaient aux sources, donc vraiment à ce qu'ils faisaient au début de la saga. Le premier jeu, quand je le refais, putain, c'est une torture. Il a mal vieilli, il n'y a rien qui va. C'est... Non, franchement, moi, j'ai vraiment adoré les derniers, quoi. Origin, Odyssey, Valhalla. Valhalla? Black Flag, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Le 3. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait avec Assassin's Creed sur les trois derniers, c'est bien. Hein. Côté RPG, t'as besoin d'évoluer et de faire attention à ce que t'apprends comme technique. Je trouve que c'est intéressant. Après, il y a un truc. Y a un truc. Bon, toujours, oui. Ah bah tu. Le premier, c'est surtout maintenant. Ouais. Ouais, c'est une cata. Ah oui, Starfield, ouais. Moi, je l'aurais. Ah. Des parties de ça, ce sera sans moi. ouais, mais c'est de l'horreur. Ouais, mais c'est de l'horreur. Non merci. Si vous voulez que Blueberry elle crie parce que je fais une crise cardiaque, allez-y. Hein. Non mais sinon moi je peux vous faire en jeu d'horreur, je peux vous faire Subnautica. Alors, quelqu'un qui est thalassophobe, il y a des endroits, c'est compliqué. Ouais.
Mais non, déjà on finit Blair Witch, hein. Difficilement, hein. Non, non, je l'ai mis à 50 000 parce que. Alors, je l'ai mis à 50 000 balles parce que l'autre à 25 000 balles, il vous a fallu une semaine et demie pour le remplir. Ah bah, vous voulez farmer les points, il faut vous mettre en lurk. Hein. Alors, justement, d'ailleurs, bah, je vais passer sur la fenêtre de chat. Normalement, on va toujours vous entendre. Si je ne m'abuse, parce que de toute façon, on va pas... Voilà. Ouais. Ah, bah vas-y, profites-en. Moi, je suis pas, j'ai pas encore quitté. Alors, il y a mon nouveau planning qui est disponible. Il est là. Je ne fais pas de live demain. Non, c'est parce que il y a le lancement de Ariane 5 qui a été programmé à mardi soir, donc j'ai décalé mon live de lundi après-midi à mardi soir. Ouais. Ouais. Et je le fais en alternance, donc je fais un jeu puisque je peux pas. Je vais pas rester planté parce que la fenêtre de lancement elle est de 2 ou 3 heures, je crois. Donc je le lance à 20h, je commencerai par une petite heure de Arc RP. Parce que j'ai un petit truc à faire mardi sur Arc. Et après je bascule entre le lancement de Ariane 5 et Mars Horizon. Parce que sinon on va rester peut-être planté pendant une heure et demie devant une fusée qui bouge pas. Et Mars. Voilà. Et Mars Horizon, c'est. Voilà, et Mars Horizon est un jeu très à propos puisque c'est le jeu de la course à l'espace. Ouais, on est à la tête d'une des agences de la NASA, de l'ESA, de la JAXA ou d'autres. Et le but, bah, c'est d'effectuer des missions, par exemple d'être le premier à marcher sur la Lune. Et tous ces trucs-là. Mercredi soir, j'aurai... Alors, message de Sov, qui est un viewer de mon chat. Faites comme moi, restez en 2000 heures. En gros, c'est parler. mercredi 20h, ce sera du Arc RP. J'aime beaucoup hein, ce serveur. J'y passe beaucoup de temps. Donc, quelques sessions en live, c'est agréable. Samedi 14h, je retourne sur Hogwarts Legacy. J'approche de la fin, mais je vais le faire durer parce que je veux terminer absolument tous les trucs avant la fin. Donc. Bah, les quêtes de Merlin, j'ai fini tous les défis qui vont avec. Je pense que je finirai quand même toutes les quêtes de Merlin qui traînent. Là, je suis surtout embêté avec les demi-guises. C'est une torture à aller chercher. Et non, pas encore. Il m'en manque quelques-unes pour l'avoir. Et dimanche, je fais un live 14h. Je vais commencer sur Outer Wilds. Normalement, il devrait se finir facilement. Et je terminerai le live sur du No Man's Sky. Oui.
Ouais, je l'ai déjà streamé quelques fois, ouais. Oui, c'est vraiment un jeu qu'il faut faire au moins une fois. Ouais. Il est très très bien écrit. Visuellement, il est très beau. Après, c'est ça. Ouais, mais t'inquiète, hein. T'inquiète, ça va. Moi, le lurk me pose pas de problème. Donc, si jamais vous avez la chaîne YouTube ici, VOD, vous avez toutes mes VOD et celle-ci devrait être dispo mardi. Ouais, mardi, je crois. Parce que j'en ai une qui sort demain, ouais, je vais la mettre mardi. Vous avez cette. Voilà. Vous avez l'autre chaîne YouTube sur laquelle je poste une vidéo tous les vendredis à 18h. Vidéo courte tirée de mes lives Gridfall. Et pour ceux qui peuvent être intéressés aussi, je poste quelques extraits de temps en temps. Des TikTok, histoire de faire un petit peu de pub sur une autre plateforme. Et pour ceux qui veulent un peu plus discuter, avoir toutes les informations en temps réel, bah vous avez mon Discord. Et vous êtes tous les bienvenus. Alors, voyons voir, est-ce que je peux faire un raid intéressant? Et alors, je vais qui? Baisse un petit peu la fenêtre. Ouais, galade. Ah bah je vais faire un raid chez Loctaria qui est passé tout à l'heure et qui est en plein stream. Bonjour. Alors, elle stream du siège survival. Je connais pas ce jeu. Très bon message, ça va. Venez sur le Discord pour remplir la malle de boulet. Ça peut servir pour les prochains lives Sea of Thieves. Donc n'hésitez pas à rester pour le raid. Ça vous fait des points de chaîne en plus que vous pouvez me. Voilà. Il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres petits trucs. Hein. Moi, je vous envoie plein de love, plein de petits canards, des petits canards d'amour. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Ben, il y a Mystity qui a répondu aussi. C'était un live. Eh ben merci à vous de m'avoir accompagné surtout. Et moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit tout le monde pour ceux qui vont manger ou qui mangeront plus tard. Et on se retrouve mardi soir pour un événement exceptionnel, donc le dernier lancement de Ariane 5. Je vous fais des bisous et je vous dis à mardi. Salut!